Bonjour à tout le monde. Pensez à vous abonner à ma chaîne vidéo, bien sûr, comme beaucoup le font. C'est juste en dessous de la vidéo, vous avez un rectangle rouge, vous cliquez dessus, vous abonnez. Aujourd'hui, nous allons parler d'un vélo à 1 million d'euros. Pourquoi 1 million d'euros? Et pourquoi pas? Un vélo que vous n'avez pas vu très certainement dans votre vie. Je vais vous le montrer. C'est simple. C'est un vélo très rare. Très rare. Voilà. Alors le vélo, il est ici. Vous allez me dire, c'est un vieux vélo. Oui. Bon, il y a un phare. C'est pas si vieux que ça. Le vélo, le voilà. Le voilà. Il est complet. Il est à restaurer, bien sûr. La selle bien dure en cuir. Voilà. Il a même son petit porte-bagages. Le feu arrière est cassé. Alors, c'est un vélo avec des vitesses. Les vitesses des pignons arrière, on les change, comme beaucoup de vélos, dans la manette. Ici, il a même une dynamo. Ce qu'il a de spécial, ce vélo, c'est pour changer les vitesses, pour changer les plateaux. C'est un levier qui est ici. Voilà. C'est un levier qui fonctionne comme ça. Alors, vu de dessus, peut-être ça sera mieux. Voilà, tac, on change de vitesse comme ça. Et voilà le vélo à 1 million d'euros. Il a des patins quasiment tout neufs. Ils ont 40 ans ou 60 ans. Et le vélo, qu'est-ce qu'il a d'intéressant? Il a une marque, ce vélo. Il a une marque qui est ici. C'est un Werenck. Alors, pourquoi pas 1 million d'euros? Voilà. En fait, ce vélo, il n'est pas à moi, il est à un ami. Donc, il faudra que je lui demande la permission pour le vendre 1 million d'euros. Allez, pensez à vous abonner, je vous en referai une autre bientôt.